Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec la Bourgogne et j'ai été interrompu au dernier épisode, enfin c'est même pas trop ça en fait, c'est que le jeu a planté après que j'ai arrêté la vidéo et du coup quand j'ai rechargé, eh bien je pense qu'il y a une différence de date, il n'y a pas eu de sauvegarde de fait, bon ça joue en fait sur quelques jours. Je me demande si j'étais pas rendu. Bon, honnêtement, je sais pas trop, mais en fait, je devais être rendu au 20 août quand j'ai arrêté la vidéo et j'ai voulu quitter et ben en fait, ça a planté. Bon, sur le moment, j'ai pas trop prêté attention, mais quand j'ai relancé, il y a eu un problème de sauvegarde en effet. Bon, enfin bon, peu importe, ça se joue sur quelques jours. J'étais sur le point d'attaquer la France. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Moi, je pense que j'étais juste. La trêve était finie. Donc, grosso modo, on était prêt à attaquer. Pour l'Auvergne, par exemple. Le but étant, de toute façon, juste de les vassaliser. Je vais peut-être devoir aller en Amérique du Nord, puisque c'est là qu'est leur colonie. Mais je suis même pas sûr. Peut-être que ça suffira de prendre ces quatre provinces avec la capitale. On avisera. Ouais, je vais prendre l'influence papale, évidemment. C'est toujours intéressant. Bon, honnêtement, cette guerre, c'est la dernière avec la France. Ça m'aura pris une bonne centaine d'années quand même. 150 ans pour en venir à bout. Mais là, voilà, je peux désactiver les forces. C'est déjà fini, à mon avis. Mettre ça à zéro. Ah, peut-être pas parce que... Ah ouais, ils ont plus beaucoup d'armées, hein. Ils ont pas d'alliés. Si, si, je vais peut-être pas mettre à zéro parce que s'ils ramènent des troupes de leur colonie. Bon, ça m'étonnerait. Allez, c'est parti. On va pas mettre à zéro, mais. Ah, ça c'est une grosse guerre. Peut-être que l'Autriche va être embarquée dans cette guerre, non? Non, que dalle. Ah, ça, c'est une très grosse guerre au sein de l'Empire. Et c'est quoi le but? J'ai pas trop fait gaffe. Guerre punitive, d'accord. D'accord. En fait, c'est guerre punitive, c'est une coalition. Alors, je sais pas comment Palatina s'est tapé une coalition, parce que vu leur taille, ils ont pas dû faire grand-chose de bien méchant. Hein, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. La France qui continue à payer régulièrement les dettes. Non, l'Autriche qui continue à payer régulièrement les dettes de la France. Ça aussi, c'est un peu original, mais. Alors eux, ils sont toujours en guerre contre les Indiens, là, je comprends pas comment ils arrivent pas à s'en sortir, sérieux. Cette guerre, j'ai pas la date de départ, mais elle dure depuis des années. Et du coup, si j'attaque les Autrichiens, est-ce que la Castille... Ouais, la Castille n'y va pas parce que ils sont en guerre depuis beaucoup trop longtemps. Ils ont 2000 de dettes. C'est ridicule comme guerre, en plus, c'est une toute petite guerre. On va voir si c'est pas le moment d'attaquer nos amis autrichiens. C'est plutôt nos ex-amis. Ok, ça c'est cool. Bon, on n'a plus trop la cote auprès des pontificaux, mais on reste quand même pas si mal. Et puis de toute façon, je compte bien leur faire la guerre, donc on n'aura plus du tout la cote. Faudra faire avec. L'Angleterre, ça va. La Castille, justement, ça va. Mes alliés, ça va. Bah, en fait, ouais. Peut-être la Castille, allez. Histoire de se mettre à 200. Bon, cette guerre, ça va aller, je pense. La Pologne se remet doucement de sa confrontation, là. Et merde, c'est un Habsbourg. Et du coup, maintenant, ils font 37%. Moi, je fais 34%. Je comprends pas qu'ils soient ami-ami, quoi. En général, quand même. La Pologne et l'Autriche, ça m'étonne quand même qu'ils soient comme ça. Tiens, alliance rompue entre les hospitaliers. Ah bah là, évidemment, je prends la puissance administrative. Surtout que... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la tech ou est-ce que je prends... J'ai dit que je crois que je finissais ma doctrine plutôt. Ouais, je pense que c'est plus raisonnable. Parce que... Ouais, si, c'est beaucoup plus raisonnable.
Bon, ça va être rapide, mais c'est toujours chiant parce que il va rien se passer, donc c'est pas vraiment la guerre la plus passionnante du monde. Assurément. Ah merde, j'ai encore une revendication à faire là. J'ai oublié. Ok. Bon bah du coup là, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être avec mes deux alliés, mais je suis déjà. Ah non, je suis plus à 200 avec eux. Mariage royal, alliance. Ah ouais, non, on n'est plus à 200. Par contre, je vais quand même me mettre à fond. Reconnaissance, amélioration des relations. Ouais, je vais quand même me mettre à fond. Au cas où on aurait des événements assez négatifs. Ok, donc là on se retrouve à 93%. Je doute que ça suffise tout d'un coup. Merde, ça suffit pas. Bon, une petite pause.